Il faut qu'on arrive à manger moins de viande. Ah mais je peux pas me passer du saucisson. Ah, c'est vrai que c'est dur. Faites comme moi, je suis végétarienne. Hein? Je mange jamais de viande, je mange que du poulet. Bah, t'es débile ou quoi? Hey, comment ça mes sphères? C'est SNES. On se retrouve pour une vidéo de Sin pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale Atelier du Pixel épisode 3. Alors pour rappeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit de regarder la vidéo avec dos dans la bouche et de ne pas rire. Comme ça, pour le dire dans les commentaires, comment ne pas vous rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Eh hey, les enfants, on a une surprise pour vous. Oh, trop bien. Ah mais ça peut être quoi? Allez, dites, on va partir en vacances, toute la famille. Ah mais c'est trop cool. Ah bah oui, je me vois bien à la plage là. Petit cocktail, petite meuf. Y'a de la wifi où on va? Moi j'espère qu'il va y avoir des garçons. Moi j'aimerais bien trouver des copines. Mais on va pas à la mer. Bah on va où? On va faire du camping sauvage en montagne. C'est qui va monter la tente? Bah c'est moi qui vais monter la tente. Et je vous parle pas de tente Monique hein. On va être toute la famille dans la tente? Bah je crois hein. Oui c'est pour solidifier les liens de la famille. J'adore l'idée. Mamie elle vient avec nous? Ah non elle pue l'oiseau mort. Grave. Elle vient pas de toute façon. Une belle-mère en vacances, moi je la balance de la falaise. On t'a fini oui? Et on part ce soir dans la nuit. Donc allez faire vos valises. Allez. Je sais pas ce que ça va donner hein. Lilala lilala. Hé hey Jean-Bernard, qu'est-ce qu'il y a? Bon tu fais ta valise? Bah elle est finie. Regarde. Alors du coup qu'est-ce que t'as pris? Une PlayStation 4. Pourquoi t'as autant de manettes? Mais imagine y en a une qui bug. Mais y a même pas d'écran où on va. Bah je prends un petit écran de PC avec. Non je crois pas non. Et un seul caleçon? Et Pikachu t'es sérieux? Mais c'est mon préféré. Regarde sans le il sent la forêt. Non mais t'es pas bien hein. Bon tu vas me rajouter des fringues quand même hein. Jean-Bernard mais t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il y a encore? Des préservatifs pourquoi faire? Papa il m'a dit de sortir couvert. Ouais mais ton père il est con. Oh. Et tu sais qu'on dort tous dans la même tente. Oh la merde. Bon tu me vides tout ça et tu remets des vêtements. Oh, tu saoules. Pardon? J'ai rien dit. Pardon Mimi. Hé hey, Suzanne, qu'est-ce qu'il y a maman? Tu veux que je t'aide pour ta valise? Bon non ça va. Par contre, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour mes doudous. Je sais pas si je prends Bambi ou Simba. Bah après t'es pas obligé d'en prendre hein. Si. Non? Si. Ok bah prends Bambi alors. Par contre, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, je prends quel bébé? Regarde. Je prends Bobby ou Philippe? Je sais pas, ils sont horribles tous les deux. Eh, t'as pas le droit de dire ça, maman. Si. Non. Regarde lui, là, il fait peur. Ah là 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 là, poubelle. Ah mais t'es pas gentil. Bah si c'est comme ça, je prends Bobby. Bah voilà, nickel, t'as tout. Ah mais par contre... Non, non, stop, stop, stop. Bah j'ai rien dit. Ouais, mais c'est déjà trop, c'est déjà trop. Bon, je vais aller voir Marguerite maintenant. Salut, maman. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah ça m'étonne, t'as déjà fini ta valise? Bah oui, je gère. Parce que Jean-Bernard et Suzanne, toujours pas, hein. C'est parce que je suis la meilleure. Mais en fait, t'as pris un tout petit sac. Bah t'as mis quoi là-dedans? Bah toutes mes affaires. Tu sais, on part en forêt, y a besoin que de l'essentiel. Oui, c'est vrai. Ah oui, hein. Je peux regarder quand même? Non, tu touches pas. Mais si, allez, donne-la-moi. Mais arrête, maman, lâche-la. Mais arrête Mais donne-la-moi. Oh non! Oh bah non! Mais regarde ce que t'as fait, maman! Mais qu'est-ce que t'as dedans? Rien. J'ai mis Caroline. C'est qui ça, Caroline? C'est elle, Caroline. T'as mis plein de poils partout! Non mais ça va pas, toi. Bah qu'est-ce qu'il y a? Si on l'amène, elle va se faire bouffer dans la forêt. Ah. Bon, tu prends ta valise et tu recommences. Si on peut plus rigoler. Eh, t'as vu comment elle est belle, Caroline? Elle était pas dedans quand j'ai lancé la valise, hein? Bon, votre valise, elle est finie? Bah oui, maman, elle est finie. Ah bah c'est cool ça. Vous avez pris quoi du coup? Bah on a pris des vêtements, pas beaucoup, notre brosse à dents. Ah enfin les enfants qui font ça normalement. Ensuite on a pris de la bière. Quoi? Du picon. Et de l'eau de vie. S'il fait froid, faut se réchauffer. Attends, t'as pas le droit de nous disputer maman. Bah pourquoi? Parce qu'on t'a pris une bouteille de rosé. On sait que t'aimes ça. Ah, c'est mignon. Mais on prend pas d'alcool. Ah c'est nul. Eh mais maman, on va se faire chier là-bas. Mais non, on va faire plein d'activités. Escalade. Ouais. Promenade dans la forêt. On pourra faire de la motocross. Non. On pourra fumer du shit. Non mais ça va pas non? C'est du CBD. Vous me saoulez, vous deux. J'ai vraiment pas des enfants normaux, moi. Bah après, quand tu vois les parents aussi... Pas faux. Surtout Roger. Et surtout le gros. Bon, Roger, t'as fait la valise? Mais de quoi tu me parles, Chantal? Les enfants ont fait leur valise. Il manque plus que nous. Bah, c'est pas à moi de faire la valise. Comment ça? Bah, c'est un boulot de femme. Pardon? J'ai rien dit. Tu veux que je t'étrangle? Non, j'ai pas envie. Bah, t'y arriverais pas de toute façon. T'as des trop petites mains, t'as vu mon cou? Du coup, on prend quoi? Bah, des trucs pour être à l'aise dans la forêt. Et la nuit? Bah, je dors à poil. Non, non, on dort avec les enfants, hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, je prépare mes affaires, je te les donne pour que tu les mettes dans la valise. Je peux prendre ma console de jeu? Non. Et la Switch, je peux, elle prend pas de place. Non! T'es nul! Putain, mais t'es comme ton fils, hein. Bah ouais. Bon, cette nuit, on prend la route. Ouais, j'ai trop hâte. Lilala, lilala. C'est bon, Roger, y a toutes les valises. Mais vous avez cru que j'avais un camion pour partir ou quoi? Y a tout qui va rentrer? Bah, j'en sais rien, moi. Je suis pas déménageur. Eh, sinon, on prend pas Suzanne, elle sert à rien. Eh, c'est pas gentil, maman, t'as vu ce qu'ils ont dit? Oh, tais-toi, toi. Moi, je propose qu'on prenne pas la valise de Jean-Bernard. Bah, pourquoi? Parce que maman, il a pris des consoles de jeux et tu lui avais dit non. Quoi, c'est vrai? T'es obligé de tout balancer, toi? T'as pris quoi comme console de jeu? Bah, la PS5. Oh là, c'est la première valise que je mets dans la voiture. Roger. Oh, j'ai une idée. C'est quoi, Suzanne? On n'a qu'à prendre un jumeau sur deux. Et toi, tu continues, je vais t'éclater. Ouais, on va t'arracher la tête. Bon, arrêtez, vous trois, là. Y'a qui va m'aider? Non, 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 non. Ah bah, merci du soutien. Eh, tout est rentré dans la voiture, du coup. J'ai laissé la valise de Suzanne dehors. Sérieux? Qu'est-ce que j'ai entendu? Oh, t'abuses, là.
Eh, on est bientôt arrivé. Ça fait 5 minutes qu'on est parti, débile. Eh. Quoi? T'as pas le droit de me traiter de débile. Bah si, il a le droit. Bah pourquoi? Bah parce que t'es débile. Eh ben vous êtes même pas gentil. Ah ça pue, c'est qui a largué une caisse? J'en suis sûr, c'est Suzanne. C'est même pas vrai. Toi, ça tombe, tu pues de la bouche. Non. Si. Eh, tais-toi la sorcière. Bon allez, c'est parti, 8 heures de route. Ah, j'ai oublié d'aller faire pipi. Bah t'as une couche? Non, je l'ai enlevé, ça m'arrache les couilles. Oh, grave. On va pas s'arrêter toutes les 5 minutes. Pissez-vous dessus, c'est bon. C'est toi qui nettoie les sièges? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Eh, Jackie, on peut faire quoi comme activité? Bah je sais pas ce qu'il y a à faire en voiture. Eh, on est bientôt arrivé? Non. On est bientôt arrivé? Non! Pourquoi tu t'énerves? Mais il me saoule à poser toujours la même question, là. Dis quelque chose, toi. Bah tu veux que je dise quoi? Bah je sais pas, moi. On est bientôt arrivé? Eh, Jackie! Qu'est-ce qu'il y a, Michel? J'aurais pas dû boire du jus d'orange. Pourquoi? Parce que j'ai la chicoulie. Eh, maman, Michel, il a la diarrhée. Ah non. Ah, j'ai le cul en feu! Ah non, mais ça pue, là. C'est pire quand tu passes derrière papa aux toilettes. Grave. C'est vrai que là, ça pique les yeux. Hein. Attends, là, j'ouvre les fenêtres, ça pue. Ah, du coup, faut qu'on s'arrête pour changer. C'est dans 5 km la prochaine aire. Ah, cool, je vais acheter un sandwich. Tu rigoles ou quoi? T'as vu le prix que ça coûte sur les aires d'autoroute? De toute façon, t'es une pince. Bah, papa, c'est un radin. Ah, c'est pas faux, hein. Mais arrêtez avec ça, je suis pas radin. Si, de fou. Demande dans les commentaires, tu verras. Bon, du coup, on s'organise comment? Je propose qu'on fasse 2 groupes. Les débiles et les intelligents. Et Suzanne, elle va être toute seule. Oui, je serai dans les intelligents. Non, t'es bête à bouffer du foin. Arrêtez. On fait les hommes et les femmes au pire. De toute façon, c'est juste pour aller pisser. Hein. Ouais, c'est vrai. Eh, j'ai un autre problème. Bah, c'est quoi? Faut que quelqu'un m'aide à pisser. Bah, tu sais le faire, non? Ouais, mais il faut quelqu'un pour porter mon anaconda. Ton ver de terre, ouais. Bah, Suzanne, elle t'a tué. Pour une fois qu'elle est drôle. J'espère qu'il y aura pas trop de monde. Et au fait, j'ai regardé les commentaires, t'es un gros radin. Bon, on y va, il fait froid, là. T'as qu'à mettre un pull. Tais-toi, t'es pas ma mère. Bah non, heureusement. Jean-Bernard, Jackie, Michel, venez avec moi. Marguerite, Suzanne, allez hop. Et toi, tu nous attends là où tu veux venir? On va aller faire des conneries. Bon, y'a plus qu'à attendre les filles. Ah, je me sens vidé, là. T'as chié une torpille? Ouais. Eh, les jumeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Si on jouait à T'es pas cap. Eh, Jackie, trop facile. Papa, tu joues? Ouais, allez. Eh, Jackie, t'es pas cap de demander le numéro de la fille derrière. Qui ça? La morue, là? On m'a refusé l'entrée des toilettes. Oh, c'est vrai, Micheline? Ah, mais c'est un vieux crouton. Poule mouillée. Eh, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux avoir votre numéro, vous êtes charmante. Oh, qu'il est mignon. J'ai pas de téléphone, désolé. Elle a pas de téléphone. T'as géré. À toi, papa. T'es pas capable de péter, là. Bah, il est con, ton jeu. Oh, le paix. Ça pue. Micheline, c'est toi? Bah non, crois pas. T'as gagné. Michel, pour finir. T'es pas capable d'appuyer sur le bouton, là. Je sais pas c'est quoi, mais je vais le faire. Non! Eh, maman, tu vas en première? Oui, si tu veux. Eh bah, Suzanne, tu vas en dernier. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'es la plus petite. Ah. Est-ce que je peux passer devant vous? Non, t'attends ton tour comme tout le monde. Morue. Bah, les filles, arrêtez, ça se fait pas. Quel manque d'éducation! Pardon? Vous éduquez mal vos enfants. Eh, je crois que tu vas mourir. Eh, écoute-moi bien, l'ancêtre. Si tu critiques encore une fois mon éducation, je te mets la tête dans les chiottes. Hein? Et je tire la chasse d'eau. Bon, bah, je m'en vais. Ça va, les filles? Merci de nous avoir défendus, maman. Oh, comment tu gères de ouf? Oh, j'ai envie de pisser, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, je crois que c'est la sirène d'incendie. Ouais, je l'ai déjà entendu à l'école. Allez, on sort tous. Ah, mais j'ai pas eu le temps de faire pipi. On s'en fout. Mi-temps, mes sphères, j'ai pas encore rigolé. Franchement, c'est un miracle. Sérieux, je sais même pas comment j'ai fait. Il est trop drôle, le père. J'ai failli exploser de rire quand il dit à son fils, t'as pris quoi dans la valise? Et qu'il lui répond la PS5. Et du coup, le père, il dit, c'est la première valise que je mets dans la voiture. C'était trop drôle. Et vous, mes sphères, quel passage de faire rire? Dites-le-moi en commentaire. Eh, vous avez entendu ça? Non, quoi? Bah, l'alarme incendie. On l'a entendu, mais on était déjà dehors. Eh, c'est marrant de les voir tous courir. Grave. Et apparemment, y a pas le feu. Comment ça? C'est quelqu'un qui s'est amusé à appuyer. Eh bah, il est pas très gentil. Sans, c'est un génie, celui qui a fait ça. Non, c'est un débile. Eh bah, moi, j'en suis sûr que c'est Jackie. Ah bah, c'est même pas vrai. Ah bah, c'est Michel. Non plus, c'est pas moi. Après, c'est peut-être pas quelqu'un de notre famille, hein. Bah oui. J'ai un doute, vu la famille qu'on a. Eh bah, de toute façon, on a une famille de gros débiles. Ah, c'est pour ça que t'en fais partie. On va mener une petite enquête. Je suis d'accord. Ah bah ça va être vous les juges. Dans les commentaires, vous allez avoir 2 commentaires. Et vous allez liker celui que vous pensez. Quelqu'un de la famille ou une autre personne. Aide-toi des autres vidéos pour trouver la réponse. Ah bisous. Et oublie pas de t'abonner sinon je t'étrangle. Bah Michel. Eh, je te l'ai dit, c'est pas moi. Bonjour. Ah non, la police, ils vont nous arrêter à cause de toi. Ah, j'ai rien fait. Je viens vous voir concernant l'alarme incendie. Si c'est un de mes enfants, je suis désolé. Je les ai jamais voulu, les jumeaux. Ah, c'est pas gentil, ça. Ah, je vais chialer sa mère. De toute façon, c'est moi le préféré. Tais-toi, toi. Vous inquiétez pas, c'est pas vous. Chais. Ah bah, c'est qui, alors? On a retrouvé les images des toilettes. Et on a trouvé la personne qui a appuyé sur le bouton. Ah, je suis rassuré. Regardez les images. Bon, bah, je m'en vais. Je me suis fait virer des toilettes. Si c'est comme ça, personne va pisser. Allez, on appuie. Ah, mais c'est la morue. Mmh. Ah, elle est moche. De toute façon, j'avais vu qu'elle était pas claire. Bah voilà, nickel. Les gens en commentaire, ils pensaient que c'était Michel. Pourquoi? On n'est pas obligé d'en parler, hein. Il a bien appuyé sur un bouton. Mais c'était le bouton de la ceinture de papa. Du coup, elle a explosé. Et papa, il était tout nu.
devant tout le monde. On n'était pas obligé de le dire. Hein. Vous aimez bien être tout nu, monsieur? Non, qu'avec ma femme. Alors le coquin... Bah cool, on peut y aller. Allez, tous en voiture. Lilala, lilala, lilala. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? On est bientôt arrivés. Ah cool. Ah j'ai faim, on mange quoi ce soir? Bah on verra ce qu'on trouve dans la forêt. Hein. Quoi? Mais genre on a rien à manger là? On a le strict minimum et on trouvera tout dans la nature. Des fruits... Moi je vais manger une biche. Ah grave. Non, on touche pas aux animaux. Bah on va bouffer quoi? Beaucoup de fruits. Bah moi j'aime pas les fruits. Mais non, c'est une blague, on a de quoi manger. Bah Chantal, t'abuses? Bah quoi? C'était marrant de faire semblant qu'on avait pas à manger. Eh j'ai eu peur. Moi je m'en fous moi. Y'a que votre mère qui a le droit de manger un truc en plus. Ah mais c'est pas juste! Bah c'est quoi? Ma courgette. Elle son asperge, ouais. Bon, vous pouvez pas vous taire comme Suzanne un peu là? C'est vrai qu'on l'entend pas. Suzanne? C'est bon, j'ai fini de faire caca. Papa, maman, vous êtes où? Bah ils sont où? Lilala, lilala, lilala. Eh, c'est quand qu'elle revient la Suzanne? La police nous la ramène demain. Putain, t'es con, Roger. Mais c'est ta mère qui est conne. Au moins la bonne nouvelle, on est arrivé. Oh, c'est trop beau. J'avoue, c'est pas mal quand même. Eh, faut qu'on monte la tente. C'est moi qui vais le faire. Non, c'est moi. Eh, toi, tais-toi le gros. Non. On va faire plusieurs équipes. Ah oui, moi je veux. Jean-Bernard et les jumeaux, vous allez chercher du bois pour faire du feu. Eh, mais t'as cru que j'étais ton esclave ou quoi? Tu veux manger ce soir? Bah oui. Bah il nous faut du feu pour cuire les saucisses. Chipolata. Regardez comment elles sentent bon les saucisses là. Ah, mais ça pue! Elles sont faites à la merde ou quoi? C'est des saucisses végétales. Ouais, donc c'est fait à la merde. Il faut qu'on arrive à manger moins de viande. Ah, mais je peux pas me passer du saucisson. Ah, c'est vrai que c'est dur. Faites comme moi, je suis végétarienne. Hein? Je mange jamais de viande, je mange que du poulet. Bah, t'es débile ou quoi? Végétarienne, je mange jamais de viande que du poulet. Je mange jamais de viande, je mange que du poulet. Bah t'es débile ou quoi? On dirait moi là. C'est pas de la viande le poulet. Oh les parents qu'on a, ça pue. Bon. Lilala, lilala, lilala. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton couteau de cuisine? Bah il va couper du bois. T'as pas mieux comme couteau? Bah non. C'est papa qui te l'a donné? Non, je l'ai toujours dans la couche. T'es pas bien hein. Et au fait Jean-Bernard, t'as une meuf? Bah ça vous regarde pas. Bah allez, fais pas ta fillette. Moi j'ai plein de meufs. Ah bon? Ouais j'en ai 4. Ah mais tu m'avais dit 3 la semaine dernière. Ah mais j'en ai une nouvelle. C'est Héloïse. Ouais. Moi, je suis avec Bernadette. C'est quoi ce prénom de vieux? Grave. Bah, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Vous l'avez jamais vue? Non, parce que sinon, elle serait tombée sous mon charme. Elle aime les vrais hommes. Et avec la coupe que t'as, tu te considères vraiment comme un homme? Allez, tu veux que je te frappe? T'as pas le droit, j'ai mon couteau. Je vais le dire à maman. Je vais le dire à maman. Fillette. Lilala, lilala, lilala. Bah, qu'est-ce que tu fais, là? Eh, hey, je suis en train de faire caca. Pourquoi tu t'es mis à côté de moi? Eh, hey, si t'es pas contente, tu dégages. Ah, mais ça pue! Eh, hey, tu me déconcentres. Mais t'as mangé quoi? Avant de partir, j'ai mangé un tacos 3 viandes. Merguez, tenders, cordon bleu, sauce samouraï. Toi-même, tu sais, mon ref. Mais c'est pas possible d'avaler un truc pareil. Eh bah, toi, t'avales bien l'aubergine de papa et je te dis rien. Bon, tu me laisses, faut que je m'essuie. Eh, hey, maman! Bah, Suzanne, comment tu vas? Bah, comme une fille qui s'est fait abandonner. C'est pas de ma faute, c'est ton père, il est con. Comme toute la famille. Oui. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a, Marguerite? Eh, hey, je me suis essuyé avec des feuilles. Bah, heureusement. Ah, mais c'était de l'ortie. Ah, merde. Eh, hey, mais ça pique. Je crois qu'il faut faire pipi dessus. Mais non, ça c'est pour les méduses, débile. Ah. C'est quand même plus facile de faire pipi dehors avec un sgeg. Lilala, lilala, lilala. Pourquoi tu marches comme ça, Marguerite? Ah bah j'ai mal au cul. On dirait ta mère le soir après mon passage. Comment ça, mon ref? Roger! Oh, Suzanne, comment tu vas? Eh, vous m'avez abandonné, bande de rats. Eh, on était bien sans toi. Oh, c'est bon, c'est de l'histoire ancienne. S'il y a seulement un jour. Oh, j'ai déjà oublié. Eh, pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a plein de bois. Ah, ça, c'est cool. Bon, prochaine étape, on monte la tente. Mais t'as rien fait encore? Branleur. Eh, t'es nul. Les jumeaux, vous faites du feu? Easy. Pardon? J'ai toujours un briquet, t'inquiète. Chantal, tu viens avec moi? Pourquoi faire? Là, je monte la tente avec toi et puis après, je te monte, toi. Bah, voyons. Lila, là, Lila, Lila. Eh, vous avez géré le feu? Bah, oui, qu'est-ce que tu crois? Nous, on n'est pas là pour rigoler. Et du coup, là, on va tous dormir dans le même endroit? Bah, ouais, c'est le camping. Eh, papa, il arrête pas de ronfler. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, désolé de dormir. Eh, Marguerite, qu'est-ce qu'il y a? On va dans la forêt cette nuit? Mais il fait tout noir. Ouais, on va faire de l'urbex. C'est quoi ça? On va explorer. J'ai vu un bâtiment là-bas abandonné. Bah, si tu veux, je peux venir avec vous? Ouais, vas-y. Tu nous serviras de bouclier si quelqu'un nous attaque. Bah, y'a qui va nous attaquer? Eh, hey, maman? Qu'est-ce qu'il y a? On peut sortir cette nuit? Oh, je sais pas, Roger, qu'est-ce t'en penses? Je m'en branle. Faites attention, quoi. Cool, ça va être terrible. Lilala, lilala, lilala. Eh, c'est quand même marrant, l'urbex. Bah ouais, je te l'avais dit. Mais ça pue. Ouais, je sais pas c'est quoi depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Je me suis fait caca dessus. Ah, c'est dégoulasse. Oui, mais j'ai trop peur. Mais t'as peur de quoi? Koubé. Quoi? Quoi Koubé? Koubé. J'ai pas compris. Suzanne, quoi Koubé, ça veut rien dire. Si, je l'ai appris à l'école. Coiffeur. Oui, je veux bien. Mais quoi Koubé, ça veut dire quoi? Bah, je sais pas. Eh ben, moi, je préférais quand même le coiffeur. Bah, c'est un mot qui existait déjà. Quoi Koubé, je ne comprends pas. Eh, c'est parce que t'es trop vieux. Comment ça, mon ref? Bah, t'es pas à la page, t'es nul. Puis c'est toi qui es pas à la page. Eh, c'est ta mère qui est pas à la page. En même temps, elle s'appelle Chantal. Chantal, quoi. T'as 110 ans. Grave. Et Suzanne, s'il te plaît. Ah ouais, Suzanne, ça fait vieux. Eh, vous êtes pas gentil.
Lilala, lilala, lilala. Eh, Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Eh, on est tout seul dans la tente. Bah oui, je sais. Tu veux qu'on... Mais ils sont où les jumeaux? Je m'en branle. Roger. Eh, hey, maman! Qu'est-ce qu'il y a, Michel? On peut partir avec Jackie? Oui, allez-y. Ah, là, on est tout seul. Bon, faut qu'on fasse vite, par contre. De toute façon, te connaissant, pas plus de 30 secondes. Eh, hey, c'est pas la durée qui compte, c'est la qualité. Je rigole. Eh, hey, maman! Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez faire quoi? Un peu de sport. Du ping-pong? Bah, y a pas la table. Ouais, mais j'ai les balles. Hein? Dégage. Ok. Relou, hein? Bon, c'est bon, je suis prêt. Eh, hey, maman! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te trouve jolie. Oh. Et moi? Bah, toi, t'es moche, gros porc. Coup dur pour Roger. Lilala, lilala, lilala. Ah, j'ai tellement bien dormi. Ouais, ça a été. Bah, pas le pour toi. Moi, j'ai mal dormi. Ah bon? Oui, y avait un bruit bizarre. J'en suis sûr, c'est un ours. Il faisait. Non, ça c'était ton père. Mais non, il faisait ça aussi. Non, ça c'est ton père qui ronfle. Ah, le salaud. Un tracteur, le père. Ah bah moi j'ai bien dormi. On t'a rien demandé, toi. Eh, Marguerite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu joues pas à coup, là? Quoi? Quoi, coubé? Mais arrête avec ça. J'ai envie de l'acheter dans la rivière. Bah, je sais pas nager. Bah, c'est ça qui est drôle. Bon, arrêtez, là. On a une surprise pour vous. C'est quoi? Pour fêter Pâques, on a caché plein de chocolat dans la forêt. Pour moi aussi? Non. Oh, c'est pas juste. C'est le tarif. Ah mais c'est trop cool. Bon allez, go. Lilala, lilala. Alors les filles, vous trouvez les chocolats? Ah bah oui, c'est trop cool. Ah oui, en plus j'en ai plein. J'ai eu un lapin et plein d'œufs. Tu me feras goûter, hein? Non. Et toi, Suzanne, t'as eu quoi? Moi j'ai tout mangé. Bah t'aurais pu attendre. J'arrive pas. En plus je suis tombée sur un chocolat, il était trop bon. C'était lequel? C'était un chocolat, en plus il y avait des feuilles dedans. Bah je me souviens pas avoir acheté ça. Ça donne un petit goût amer. Tu me feras goûter? T'en as encore là? Oui, c'est cela, regarde. Mais Suzanne, c'est pas du chocolat? Bah c'est quoi? Mais c'est de la merde. J'ai mangé du caca? C'est bon, j'en veux plus. Mais t'es débile ou quoi? Bah je crois bien que oui. Et puis j'ai rangé les brosses à dents déjà. Bah tu vas puer du cul de la bouche. Arrête de te moquer. Lila louli la louli. Bah alors, vous avez aimé le week-end? C'était pas trop mal. Ah moi j'ai kiffé. Sauf le moment quand vous m'avez abandonné. Eh bah moi j'ai kiffé ce moment. Ça fait du bien de se retrouver en famille. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de retourner à la maison. Bah pourquoi? La télé, la bière. Bière. Moi je préfère le whisky. Comment ça mon ref? Bah du coup on a plus que 8 heures de route. Ah oh, ça va être long. On s'arrête pas, d'accord? Si j'ai envie de pisser, je fais comment? Bah on va s'arrêter quand même une fois. Moi je reste dans la voiture. Mauviette. Quoi? Feur. Ça c'est drôle. Eh, l'histoire du camping, elle est terminée. J'espère que t'as kiffé. Tu veux quoi comme nouvelle histoire? Dis-moi-le en commentaire. T'en dis quoi? Quoi coubé? Ta gueule. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé une fois. Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode d'Atelier du Pixel. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao mes sphères.